Salut tout le monde, c'est AlexDX77 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Wow. Oh, qu'est-ce qui se passe? Mon personnage Minecraft devient fou. Et donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'avancée d'une ville sur Minecraft, Xbox Edition. Et je vais vous montrer ce qui a changé depuis la dernière vidéo. Bon bah, commençons. Donc j'ai mis petit panneau un petit peu partout pour montrer où on est. Donc j'ai rajouté un petit... J'ai agrandi les récoltes de canne à sucre ainsi que les récoltes de maïs, pas de maïs, de blé. Donc comme ça j'ai beaucoup plus de blé, beaucoup plus de canne à sucre. C'est vraiment plus sympa. Vous voyez, j'ai beaucoup beaucoup de blé. Je sais qu'il y en a beaucoup. Je vais arrêter de dire beaucoup. Je sais qu'il y en a d'autres qui ont beaucoup plus de blé que ça, mais voilà, moi j'en suis fier. Donc ensuite ça, j'ai fait ça puisque c'était 4G Studio qui avait annoncé que le 15 septembre, il devait y avoir une mise à jour 1.8.2. Eh bien, elle n'a pas eu lieu, donc puisque c'était donc le 14, donc la veille, j'ai rasé la maison à Bastien, Bastique 74. Si il regarde cette vidéo, je suis désolé, mais bon, j'ai trouvé un compromis. Tu verras où tu pourras placer ta maison. Je pense que ça te plaira. Et donc il y avait une grande montagne, une colline. Je l'ai complètement rasé tout seul. Le terraformage, j'adore le faire. Je fais ça tout seul. Puisque sur mon monde, je veux que ce soit fait comme moi je le veux. Et je veux pas qu'il y ait des bêtises qui soient faites. Donc j'ai fait des enclos ici. Ouais. Et donc 4 enclos pour les poules, les... Oh, un mouton, il va déjà dans son enclos. Donc les moutons, les vaches et les cochons pour faire de l'élevage. Ça, c'est vraiment un truc que j'attends à la 1.8.2. D'ailleurs, je vais peut-être vous faire une vidéo pour vous montrer tout ce qu'il y aura à la 1.8.2. Ça pourrait être sympa. Avec toutes les screenshots qui ont été donnés par 4G Studio pour ceux qui n'ont pas Twitter et qui ne les suivent pas sur Twitter. Ainsi que les vidéos de preview de la 1.8.2 de 4G Studio. D'ailleurs, en parlant de Twitter, je vous invite à aller me follower si vous avez un compte Twitter, ou si vous n'avez pas de compte Twitter, faites-vous-en un pour pouvoir me suivre ainsi que d'autres youtubeurs célèbres. Puisque moi sur mon Twitter je raconte un petit peu ma vie pour l'instant, puisque j'ai une dizaine de followers, mais je pense que si on aurait beaucoup plus, je ferais plus de trucs. Par exemple, pendant une vidéo je demande vous voulez que je fasse tel ou tel truc, ce serait beaucoup plus sympa et je me sentirais plus proche de mes abonnés. Donc l'hôtel est fini. Donc tant que je monte, je vais continuer. Donc en parlant des abonnés, je voulais dire que je voulais être plus près de mes abonnés, mais je n'accepte pas tous mes abonnés en amis. Je suis désolé, puisque il y en a beaucoup, il y en a deux ou trois il me semble, mais qui m'ont invité en ami, je les ai acceptés, mais après ils n'ont pas arrêté de m'harceler, ils voulaient... Il veut, il y en a, non, il voulait pas faire de vidéo avec moi, mais il voulait tout le temps aller sur mon serveur. C'était vraiment saoulant. Il m'invitait tout le temps à un groupe d'amis, tout le temps à des parties et tout. Moi, j'ai fini par virer tous mes abonnés. Désolé pour les abonnés qui me harcelaient pas et qui se sont fait virer, mais c'était juste comme ça. Ah, un beau lever de soleil. C'est pour ça. Je me suis dit. Pourquoi pas appeler cet hôtel le Sunshine, rayon de soleil, peut-être pas. Je sais pas comment on pourrait dire le lever de soleil en anglais. Je sais pas s'il y a vraiment une expression ou si c'est vraiment lever de soleil, sun wake up.
Un truc comme ça. Vraiment, c'est beau. Je casse la barrière en attendant. Ah oui, et pour ceux qui auraient regardé ma vidéo, puisque ma vidéo Avancée d'une ville sur Minecraft Xbox Edition épisode 1 a vraiment bien marché, même si ça fait longtemps qu'elle est sur YouTube. Mais il y en a encore certains qui me donnent des noms pour ma ville. Mais pour ceux qui ne le savent pas, ma ville s'appelle dorénavant. Je ne me souviens plus du nom de ma ville. Shining Wood. Voilà. J'avais un doute. Puisque Shining. Puisque la nuit, c'est vraiment très bien éclairé. Et Wood, c'est fait en bois. Non, je pense pas vous avoir montré ça. Donc les deux maisons là, oui. Mais les deux maisons là, non. Donc j'ai refait deux autres maisons. Une avec un espace de vie assez bien. Qui est largement vivable. Comme d'habitude, l'espace de vie vivable. Hein. Voilà. Avec un toit en. Pas vraiment en T, mais oui, un petit T. Avec une petite barre comme ça. Et... C'est vraiment un toit que je kiffe. Hein. C'est la première fois que je fais ça. Bon, ça, c'est pas une maison très originale. C'est pratiquement la même que celle d'en face. Mais qui est original. Original, pas vraiment. La deuxième ville, je vais pas vous la montrer pour l'instant. Enfin, pas tout de suite, après. Donc j'ai avancé un petit peu ma mine. Donc la ville, enfin le village n'a pas encore avancé. Hein. J'attends que des gens, que des amis viennent m'aider. Enfin, il faut récolter les ressources. J'attends d'avoir beaucoup d'idées pour les maisons, les trucs comme ça. Donc nous allons dans la mine. Oh, hop. Hop. Et là, on tombe. Donc la mine à vodka que j'ai avancée notamment. Donc j'ai encore agrandi. Donc ici. En fait, le mur était ouais, collé au rail. J'ai encore avancé ça. Et j'ai avancé. Enfin, j'ai reculé de deux blocs là. Et là-bas de 7, il me semble. 2, 3, 4, 5, 6, 7, oui. Et j'ai trouvé quelques donjons, des trucs comme ça. Enfin, un donjon. Des grottes. Et comme ça, je trouve beaucoup de ressources, beaucoup de cobble. De cobble. De cobble. Bon là il n'y en a pas beaucoup. La cobble je crois que j'en ai presque 3 doubles coffres puisque j'en ai beaucoup utilisé. Je dirais il me reste que 3 doubles coffres de cobble puisque vu la dose que j'ai minée. Puisque si on voit mon classement de minage de blocs. Ouais en paisible, en paisible. Donc CFLXX77, les blocs de stone 27 000. Comparé aux autres, c'est à part Preda, lui, il fait plein de trucs. Hein. Il défonce tout, lui. Hein. Bref, lui, il est haut dans pratiquement tous les classements. Mais vous voyez que j'ai vraiment miné beaucoup de blocs, 27 000. Bloc de stone, c'est énorme. Bien sûr, c'est pas que dans cette partie, hein, c'est dans mes autres parties, mais quand même, la plupart, c'est dans cette partie-là. Enfin, dans ce monde-là, dans ma ville. Ouais, on va s'enlever du sneak. Bon, là, c'est un petit peu un passage ghetto. Désolé si je ne parle pas beaucoup, je suis concentré à monter. What the fuck?
Concernant les prochains projets, il y a une aventure PVP que je compte faire. Il me manque juste une personne. Je verrai qui je pourrais prendre. J'ai toujours Skyblock, mais ça j'en ai parlé dans ma vidéo précédente. De visiter une ville. Ah. Heureusement que je suis PGM. Désolé des M. Qu'est-ce que j'ai d'autre, les délires GTA? D'ailleurs, je vous avais dit dans la vidéo précédente que je devais le faire avec une personne. Malheureusement, elle n'a pas pu se libérer à temps et pour l'instant, on n'a pas encore filmé. Après, il y a les maps aventure que je compte faire avec les membres de la crosse. Une map survie aussi. Bien sûr. Pour l'instant, j'attends beaucoup Bastien, Bastik74, puisqu'il doit participer à, il me semble, au moins deux projets. Donc une map survie et une map PVP. Je l'attends avec impatience, hein, puisqu'il a quelques problèmes de connexion. Bref. Donc, nous voici à l'emplacement de la seconde ville. Donc, je n'ai toujours pas trouvé le nom. Donc j'ai continué les rues, enfin il y a une rue en four. Ce qui est bien avec ces rues en four, c'est qu'on peut faire que chauffer, ça stone partout. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc hier, j'avais encore un double coffre de stone. Mais il y a ce projet-là qui m'en a bouffé la moitié. Je vous le montrerai après. Donc voici le pattern de ma seconde ville. Donc en coin des bûches de sapin. Les murs seront faits en stone. La base en cobblestone. Et les toits en cobble. Enfin un escalier de cobble. Le plancher en planche. Basique. C'est vraiment un style coûteux puisque déjà il faut faire fondre la stone là et il faut vraiment beaucoup de cobble de cobla. J'aurais dit cobble de 5 façons peut-être. Je crois que j'ai dit 3-4 pour l'instant. 3-4 façons de dire cobble. Corbleu. Pourquoi je dis cobleu? Comme dirait Furio, je n'ai pas pris mes médicaments aujourd'hui. Pourquoi toute la crosse me dit que j'oublie mes médicaments? Non, je ne suis pas triso. Là, je vois bien certains membres de la crosse se moquer de moi. Tu te reconnaîtras. Eh oui. Donc ici, donc ce grand plateau. Eh bien, je vais faire sur ce grand plateau, je vais faire un Parthénon. Pour ceux qui ne savent pas, bah, regardez sur Google Images. Donc, c'est un bâtiment qui me demandera beaucoup, beaucoup de stone. Ce sera pratiquement exclusivement que de la stone, enfin des dalles de stone, de la stone et un petit peu de bûches de sapin. Ce sera vraiment très, 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 très coûteux. Énormément coûteux et ça va me bouffer beaucoup de charbon aussi pour tout faire fondre. Donc ici j'ai fait une petite cascade assez sympa, ça fait un petit peu coin nature. Donc je vous ai tout montré. Là, je vais rejoindre la crosse. Là, je pense pas refaire une vidéo. Sauf si j'ai une map aventure à faire. Ouais, non, pour l'instant, cette soirée, j'ai juste fait la visite de ville. Cet épisode de l'avancée d'une ville.
Eh bien, je vais vous dire. À... D'ailleurs, attendez. Là, je viens de tilter. J'ai tapé. Non, non, non. J'ai tapé la vache d'un seul coup, mais je crois que c'est la vache que j'ai pas arrêté de taper. Bref, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Je n'ai pas pris mes médicaments. Bref. Donc, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo de AlexDX77 sur Minecraft, sur GTA, sur n'importe quel jeu. D'ailleurs, si vous voulez me voir sur un certain jeu, dites-le moi en commentaire. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!